Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes au troisième numéro de votre émission L'Art nous parle. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans ce numéro, nous allons retrouver les super talents artistiques des années 2019 à 2022. Un échange avec ces artistes passionnés d'art qui reviennent sur leur parcours dans cette émission. A tout de suite. Bonjour à tous. Salut. Salut. Bonjour, moi c'est Siba. Je suis Kwame Wilfried. Kwasi Tinan Cédric. Quentin Tichy, artiste ivoirien. Super talent artistique 2019. De l'année 2020. 2021. De l'année 2022. Quentin Willy, comment s'est passée la première saison vu qu'il y avait de très grands artistes dedans comme Mbouilou, Bénédicte et puis Soropia, l'ambiance était comment? Il faut dire que l'interaction était quand même aisée vu qu'on se côtoyait déjà au Beaux-Arts. Voilà, on se voyait déjà là-bas. Donc ici, voilà, c'était un jeu pour nous. Au départ, c'est vrai, on était plus porté sur l'enjeu. Il fallait remporter le premier prix, tout ça. Mais après, voilà, il a fallu qu'on travaille ensemble. Et puis, il y avait une très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Tout ce repas était beaucoup taquin avec nous. C'était quand même intéressant. Et toi? Moi, bon, c'était pareil, il y avait mon Mondesi, c'est un confrère, un condisciple. Voilà, on a fait la licence, même le master ensemble. Il y avait aussi Jean-François. Puis il y avait d'autres éléments quand même qui étaient à craindre. Mais comme on le dit, voilà, c'est pas forcément le plus fort qui remporte. C'est celui qui est allé au-delà, qui a fait plus de choses que les autres. Et ça a été moi, j'étais vraiment très, très, très heureux. Et toi, Otinel, quel a été ton ressenti après la proclamation des résultats? Bon, j'étais vraiment ému, vraiment ému. Je me contenais pour ne pas trop, voilà, parce qu'il y avait ces sentiments-là, cette joie-là qui me montait vraiment à la tête. Donc, ça me fait encore penser à ça. Puis c'est récent, hein, c'est le plus récent, voilà. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, lorsqu'on me remettait le trophée. C'était même mon frère Tichy qui était là. Ouais. Et ouais. Ça a été une belle expérience pour moi. Ouais. En tout cas, c'est effectivement, moi c'était pareil. Moi, je n'ai pas vraiment de mots pour qualifier ce que je ressentais parce que c'était vraiment quelque chose de ouf. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est-à-dire que ta vie change d'un moment à l'autre. C'est-à-dire, toi qu'on voyait comme le petit en atelier, tout, un coup. Tu deviens la superstar. Voici, tu deviens la superstar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots vraiment pour pouvoir qualifier cela parce que ça change, ça bouleverse tout. Tu ne te vois plus en un petit, tu te vois un peu un nouveau parce que là, maintenant, quand tu passes, tu es sûr qu'au moins il y a quelqu'un au quartier qui va te connaître ou bien dans la rue, il va te reconnaître, tu vois. Donc, c'est l'ambiance là. Et puis, voir le super talent de l'année qui avait passé en 2020, venir te remettre aussi le trophée, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et dans ce temps-là, c'était ici, Peintre Tina qui avait fait ce beau travail de me remettre ce trophée-là. Ouais, mais puis, moi, j'ai aimé te remettre le trophée. C'était symbolique. C'était ouais. Symbolique. Un peu comme dans les matchs de football. Effectivement. Mais toi-même, quel était ton ressenti? Ouais, c'était pareil. Il y avait un truc, une énergie qui circulait. Puis avec mon frère jumeau qui était là, on s'est pris dans les bras. Vous avez vu là, vous étiez là. On s'est soulevé là. C'était indescriptible. On peut pas décrire les faits. C'était incroyable. Ouais, moi, pareillement, j'étais content. J'étais content, mais ce jour-là, bon. C'était pas, ça se voyait pas sur mon visage. Ça, voilà. C'est vrai. Voilà. Les grandes émotions sont muettes. Effectivement. Et j'étais à la fois content et conscient du défi qu'il y avait à relever plus tard. Parce que c'est vrai, certes, c'est un bon départ, mais il faut garder le rythme. Il faut évoluer. Donc j'étais conscient en même temps de tout ça. Et puis aussi, il fallait quand même mériter le titre de super talent artistique. Une chose est d'avoir ce titre, mais après, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Donc, il y avait tout ça à la fois. C'est une bonne question. En parlant de qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais te retourner la question. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le prix-là t'a apporté maintenant? Bon, ça m'a apporté beaucoup. D'abord, au niveau du curriculum vitae, c'est important d'avoir un prix en tant qu'artiste. Quand tu as un prix quelque part, il y a de la reconnaissance et puis voilà, ça t'aide aussi. Donc juste après ça, j'ai été sollicité par quelqu'un que je ne connaissais pas. Et elle a même financé mon exposition, ma première exposition personnelle, si je peux dire son nom, elle s'appelle Nana Spior.
Et par la suite, j'ai participé à pas mal d'expositions aussi, j'ai postulé pour d'autres trucs. J'ai été retenu pour Ségou. Ségou en 2021, par la grâce de Dieu, j'ai reçu le premier prix aussi à Ségou. Et par après, il y a eu aussi le concours de Lydia Ludique. Là-bas, j'ai eu remporté le troisième prix. Et maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai été retenu pour les Jeux de la Francophonie. Et donc, on espère aussi revenir avec une médaille. Voilà, on met tout de la main de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Mais et toi? Ouais, bon, c'est un peu dans la même veine, hein, parce que vraiment, on peut dire que ça nous a ouvert beaucoup de portes, vraiment. Parce que avant, on était un peu dans l'ombre. On était un peu dans l'ombre. Et depuis lors, il y a des particuliers qui ont commencé à rentrer un peu dans nos réseaux, nos différents, notre Instagram et tout. Ah, ils passent à acheter. Beaucoup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que beaucoup venaient de l'extérieur. Étaient des étrangers, j'avais des Français, des Américains. Je dis, ça m'a vraiment plu. Et puis, ce qui a encore concrétisé la chose, c'était l'exposition à la galerie Le Bourgeois. Parce que lui aussi, il avait regardé l'émission. Et ça fait qu'il a eu un peu de l'engouement d'aller voir un peu mon travail. Et donc, vrai, ça ouvert vraiment beaucoup de choses. Mais il y a une chose aussi qui m'a marqué. C'est un petit témoignage. Je me suis rendu dans un petit restaurant. Je partais manger. Et quand j'ai fini, je sortais, j'ai fait comme si je lui ai dit, ah, moi, j'ai pas l'argent. Il me dit, non, tu as l'argent. Toi, tu as un super talent. Toi, tu as un super talent. Et tu peux quand même, comme il dit, je regarde là, nous parle. Toi, tu as gagné l'argent. Tu as eu l'argent. Donc, ça faisait rire. Mais en même temps, je venais de voir que, ah, j'étais plus n'importe qui. Donc, je pense que ça nous apportait à tous quelque chose de positif. Ouais. Voilà, quelque chose de positif. Même moi, à mon niveau, j'ai eu à faire des expositions ici, ouais, à l'extérieur, en France, au Portugal, ouais, et puis dans d'autres pays aussi, même aux États-Unis, à Miami Beach, avec la NF3 Galerie. Ouais. Je pense que ce concours a été vraiment positif pour moi. Depuis 2020 jusqu'à présent, il y a eu plein d'événements qui se sont passés. Et vraiment, je ne peux que dire merci. Ouais, merci à Easy d'avoir organisé. D'avoir organisé cette compétition, parce que mine de rien, à part cette compétition, moi je n'en vois pas d'autres. Hein. Il n'y a pas d'autres compétitions artistiques qui nous mettent en valeur. Effectivement. La plupart, c'est la musique. Et il faudrait que le ministère de la Culture repense, revoir ce côté-là, pour puisse mettre en valeur les artistes praticiens. Parce qu'on a besoin de ça. Effectivement. Quand on dit là, ce n'est pas la musique seulement. Là, avec un grand A, il y a les arts plastiques, il y a plein d'autres choses. Donc il faut revoir ce niveau-là. Ouais, ça. Continue-toi. Bon, il faut dire que moi je vous suis. Hein. Ce concours, ce prix m'a aussi ouvert des portes, on va dire. Voilà, il y a notamment des projets qui sont en cours. Voilà, et il y a eu une exposition, suite après même la proclamation en décembre, là c'était en décembre maintenant, à l'Hôtel d'Ivoire, voilà. Il y a eu l'exposition que j'ai effectuée là-bas et puis après, bon, on est en train d'avancer d'autres projets avec plusieurs particuliers. Mais il faut dire que déjà même sur les réseaux sociaux aussi, ça, c'est quelque chose qui a attiré du public, voilà, beaucoup ont aimé, beaucoup m'ont contacté et beaucoup sont passés aussi pour voir mon travail. En tout cas, je peux dire que l'émission a apporté ses fruits, en quelque sorte. Et ces fruits qui continuent voilà, de se produire. Donc, j'espère aussi que, en tout cas, ma carrière aussi va monter. Voilà. Et je pense que ce prix-là a été déjà une base, on va dire. Si je peux me le permettre, quelles sont tes ambitions? J'espère aller loin dans mon travail. Quand je dis aller loin, c'est-à-dire aller au-delà des limites du continent même, si possible. Voilà. Être reconnu et être apprécié de tous. Bon, on ne va pas dire que tout le monde apprécie ton travail, mais je veux dire être reconnu en tant qu'artiste et reconnaître ce qu'on fait et surtout comprendre le message qu'on veut passer voilà, à travers les tableaux. Voilà. Comprendre le message qu'on veut passer, puis être au rang de grands poètes pour faire aussi la fierté, non seulement de ceux qui nous ont boostés dans ce domaine, voilà, ceux qui nous ont encadrés, puis voilà, pour aussi ne pas quitter ce monde sans avoir laissé des traces. Et Tina, pareil. Mes ambitions, elles sont tellement grandes.
En ce moment, ce que je vise, c'est la Biennale de Venise en Italie. C'est la plus grande biennale d'art contemporain. Et aussi la foire 1.54 à New York. Je pense qu'être exposé là-bas, ça va donner plus de force à mon travail. Ça va permettre à ce que les collectionneurs me voient. Et ça va me faire honneur et puis honneur aussi à tous ceux qui me regardent. Quant à moi, j'aspire à être grand, comme tout artiste, être reconnu, évoluer dans ma carrière, ne pas baisser les bras, continuer à gravir les échelons, parce que c'est très important. Ça sera un gâchis d'avoir remporté ce prix, et puis après, baisser les bras, ne plus être visible. C'est pas bon. Donc c'est un peu ça, aller le plus loin possible. Moi par contre, c'est pareil aussi avec tout le monde, c'est la même vision, aller un peu plus loin, tout. Mais je ne veux pas seulement que rester à l'art, parce que je veux aller aussi autrement, un peu aller dans la même veine que Easy, parce que je trouve qu'il y a plein de talents qui sont cachés aussi. Donc je veux vraiment, non seulement monter un peu les choses à l'échelon national, c'est-à-dire quoi, mes tableaux et tout, mais en même temps, essayer d'avoir dans la ville, si c'est une galerie ou si c'est quoi, si c'est un centre, en tout cas, ou si c'est même une émission qui va vraiment faire valoir, montrer un peu le talent de tout un chacun. Parce que je trouve qu'on regorge beaucoup de talents pour que ce soit toujours les mêmes têtes là qu'on voit. Tu vois, il y a tellement de talents en Côte d'Ivoire, il y a tellement de pépites, mais ce sont les mêmes têtes. Du moins, mon combat, c'est pas plus personnel, mais c'est quelque chose aussi un peu élargi. Je vais un peu regrouper pour que demain aussi, la Côte d'Ivoire aussi ait vraiment sa biennale. C'est vrai qu'on a la biennale d'Augustin Cassis, mais on a une grande biennale pour que ça puisse réunir aussi plein d'acteurs. Donc c'est aussi là ma vision, ne pas vraiment laisser tout ce que Easy a commencé aller comme ça en l'air. Voilà, donc c'est un peu. J'aime bien cette ambition-là. C'est bien, frère. Ouais. Chapeau. Merci encore. Merci à vous. Merci pour le super talent 2019. Merci à moi-même, à toi et à l'autre. Ouais. Et vraiment, on est vraiment contents. Et puis, je pense que on va se laisser. Ouais. Si tu as quelque chose à ajouter, Julie. Bon, rien à ajouter, si ce n'est de dire merci aux initiateurs de cette rencontre. Voilà, dis merci à Easy et sa production, ouais, son équipe. Ça, c'est son équipe. Le mieux. Voilà, c'est un peu ça. Grand merci à eux. Bon, en tout cas. Merci aux membres du jury, merci à tous les grands maîtres qui nous ont encadrés et puis qui ont fait le choix. Donc, moi, je peux dire rendez-vous au sommet parce que c'est là-bas que nous tous. On ira tous là-bas. Voilà, c'est-à-dire que. Et tous, ils nous ont choisi, c'est pour qu'on soit toujours à la tête. Effectivement. Et non en bas. Donc, en tout cas, grand merci à eux, grand merci à Easy, grand merci à toute l'équipe. Et puis, je pense qu'il y aura encore des grandes choses qui viennent. Chers téléspectateurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté.